Merci, Monsieur le Président. Alors, ce sujet de la définition et de la réactualisation de la liste des métiers en tension est essentiel dans le débat qui nous occupe. Et j'avoue que je suis assez en colère de la liste actuelle, puisque comment est-ce qu'on peut comprendre que l'hôtellerie, la restauration ou que le secteur de la propreté en particulier sont aujourd'hui exclus des métiers en tension ? Moi, je crois qu'on peut imaginer toutes les grandes cérémonies et toutes les grandes tablées pour discuter de sujet. Tant qu'on n'a pas objectivé des critères précis, je crois qu'on n'arrivera pas à grand-chose et qu'on restera dans les travers qu'on connaît. Je trouve que la propreté, en particulier, soit pas dedans, permet quand même l'exploitation par un certain nombre de grandes entreprises de l'immigration irrégulière dans notre pays. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête. C'est l'objectif de ce texte, chercher l'efficacité. Donc ce que je propose, c'est qu'on ajoute un critère autour du taux de postes vacants et du taux des étrangers en emploi dans le secteur donné, de façon à avoir une vue d'ensemble de la réalité de l'emploi du secteur en l'occurrence, et éviter que certains contournements ne perdurent, comme c'est le cas aujourd'hui.